Pirka Diofor. J'ai senti à la barre de fiançailles par la poste. Ouais. La reine que. Mafou. Fleur de Lille. Le respect, c'est quelque chose de très important. Le respect, c'est quelque chose de très important. Qui savait que je t'ai envoyé la bague? Personne. Quand j'ai dit que tu te mets sur la route du travail d'Ushiga, je vais te marcher dessus comme une traîne. Je ne blague pas. Mais que tu laisses ça pour venir entrer dans ce qu'il y a de privé entre toi et moi, en disant aux gens, en annonçant que moi, je t'ai offert la bague de chance. Maman, il t'aimait, non? Quand on aime une femme, on ne perd pas le temps, on l'épouse. Quand on aime une femme, on ne perd pas le temps, on l'épouse. Donc, tu viens dans les réseaux raconter qu'Amé Kamé m'a offert une bague de fiançailles que j'ai jetée au bout de 2 jours. Le premier, Nadège dit que le premier, Véro, il dit, ok, bon, j'en ai vraiment souci. Bon, les gars, les gens ont dit que non. Voilà pourquoi j'aime TikTok. C'est plus interactif. Je sais d'où ça dort un peu. On continue à partager. Voilà. Ha! Homo, quel chaud, quel chaleur. Voilà, t'es un vilain. Non, le gars est frère. Mouf. Le gars est frère. Le gars. Hé! Hey, maman, mouf, un bon mot. Oh! Mafo. Hé! Hey. Mafo, Matouga. Matouga. Hé! Hey. Mafo, tu. Je t'offre ma bague de fiançailles. Oh, Céline d'Amsterdam, big up à toi. Je t'offre ma bague de fiançailles. Tu viens raconter dans les réseaux sociaux que tu as envoyé ça par la poste. Mais tu as pris, non? Mais tu n'as pas pris. Partager. Le socle est dehors. Partager. J'ai bien fait le distinguo entre ma vie privée avec Ushiga, entre ma vie privée avec Mafou et le travail. C'est deux choses. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Ma vie privée de mes ex. Parce que je suis le gardien de la vie privée de mes ex. Même Ushiga ne savait même pas qu'il t'a offert une bague. Il n'y a que toi et moi. Tu sors, tu imposes ça dehors. Je préférais encore que tu mettes les voices. On sent le romantisme. Mets les voices. Oui, on tapote. Oui, ça arrive, Céline. Je développe d'abord, on tapote. On envoie les cœurs, on envoie les lions, les drones, ouvrez le zoo. N'oubliez pas, on va s'engager ce soir, Matt. Tu racontes seulement que moi, mec, quand même, je t'ai offert une bague de fiançailles par la poste. Maman, tu voulais que je t'offre ça comment? Tu habites loin, je suis loin. La poste était là pour ça. Et en plus, c'était à la Saint-Valentin il y a 3 ans. C'est-à-dire que j'ai pris mon cœur. J'ai mis sur une bague de fiançailles. J'ai dit non, ma chérie, ça c'est ton. Tu viens dans les réseaux sociaux pour dire que tu as jeté ma bague de fiançailles. Tu as seulement porté 2 jours, tu as jeté. Maman de 3 hectares de plantain. Eh la mère. Je t'offre 5 tonnes de ciment, tu jettes ça, hein, maman. 10 camions de sable. 4 hectares de plantain, tu jettes ça. Hey! Mamma mia. Hmm.
Tu jettes ma bague de fiançailles. On est seulement 700 sur Facebook. On partage. Maman. Ouais, sus, tu restes là seulement. Ça, c'est chaud. Je suis connecté en même temps sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube. Je t'offre ma bague de fiançailles, rien que. Tu dis que tu as porté ma bague de fiançailles. Deux jours, tu as jeté ça. 5 tonnes de ciment. 10 camions de sable. 4 hectares de plantain. Tu prends, tu jettes. Hey! 5 tonnes de ciment. Oh, bon, la clôture. Hey, on a 10 camions de sable. Maman. Non. Je vous ai dit. Reine que ma faute. Je suis le gardien de la vie privée de mes ex. Le bon comportement, ça pousse. Quand c'est le mauvais comportement, ça descend. Reine que je vais te dire quelque chose. Peut-être l'amour, tu ne connais pas vraiment ce que c'est. De tous les gars avec qui tu es sorti ici sur terre, je suis le seul. Tu as affronté ta vie différemment. Et je suis le seul sans me vanter. Je t'ai donné un statut que personne ne t'a donné dans les réseaux sociaux. Et tes mots défient. Et je modifie tous les abeilles là. Montrez-moi un gars qui est resté, qui a soulevé ma foule comme ma mère, quand même, il n'y a aucun. Maman, je suis ce qu'on appelle un faiseur de roi. Salut, Basse. Je suis ce qu'on appelle un faiseur de roi, un créateur de roi. Je suis le king, je suis le boss. Salut, frangin. Oui, on a notre pote Basse, quand il est quelque part. Voilà. Je suis un faiseur de roi. Chaque fille que je touche est brillée. J'ai tellement d'amour. J'ai tellement d'amour à donner. Que c'est une chance pour ces filles de sortir avec un gars. C'est-à-dire que je suis ce qu'on appelle le camer love. Le lion love, le delta force de l'amour. Il est en face de vous. Donc quand on arrive, et que moi je t'offre ma bague, et que tu dis que tu as jeté la bague au bout de 2 jours, c'est une bague qui m'a coûté beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Tu as jeté. Une autre fille avait besoin de cette bague-là que tu as jeté. C'est très immature. Quand tu offres une bague, tu cours en mondial vision pour dire qu'il m'a offert la bague-là. J'ai jeté. Tu jettes la bague dans mes gamins. C'est des choses qu'il ne faut même pas dire. Il ne faut même pas prononcer des mots comme ça dans ta bouche. Un homme te rend heureux. Te mets à un stade de l'amour, maman. Rien que Fleur de Lille, un gars t'a aimé comme moi, il t'a aimé. On a vu tes yeux, c'est-à-dire que pour la première fois dans les réseaux sociaux, on a vu Fleur amoureuse. Et tu te lèves, tu cours dans les réseaux sociaux pour venir dire que, oh, ta bague, là, j'ai jeté ça. Go, si tu t'amuses, je sors les voices. Ma chérie, depuis la temps, les voices, je ne vois pas. Depuis j'attends les voices, je ne vois pas. C'est quoi? Ça veut dire que c'est quoi descendre aussi bas? Je dis et je répète à tous ceux qui veulent l'entendre et à tous les malentendants, insultez Oshiga comme vous voulez, ça ne me pose aucun problème. Mais si j'entends un lieutenant de Flore prononcer le nom d'Oshiga, dans son travail, je bombarde ce flot. J'ai les moyens pour annuler cette soirée-là. J'ai les moyens. Faites-moi confiance. Oui, faites-moi confiance. Donc, c'est ce qui a fait que tu sortes pour venir dire que, hey, regardez une femme. Regardez vous-même. Maman, le bonheur, comment la fille était amoureuse de ta mère quand même. Flo, je vais te dire quelque chose. La reine de la toile aujourd'hui, c'est Oshiga. La plus téléchargée aujourd'hui dans les forums, c'est Oshiga. Tout ce que je touche, ça brille. C'est mon don, c'est ma malédiction qu'on m'a donné. Tout ce que tu vas toucher va briller. Flo, avant toi, il y a une docteur. Elle a brillé de tout feu. Après toi, il y a Oshiga. Elle est en train de briller de tout feu. C'est ce qui te fait mal.
Ça te fait très mal. Mais je t'ai donné la chance d'être avec. Je t'ai donné la chance de sortir avec ce qu'on appelle un vrai mec. Tu n'as pas pu. Tu n'as pas pu. Parce que tu n'étais pas projeté. Tu n'as pas pu. Même tes moucherons qui m'ont tourné autour de toi t'ont dit que Flore, rien que, on n'a pas besoin de parler, mais le gars là, aujourd'hui tu bagarres. Tu bagarres pour revenir sur la CEO à ma banque. Ça m'a coûté l'argent. Je peux aller vendre ça, bien donner ça à une autre fille. Tu viens dans les réseaux sociaux pour dire que oh, j'ai jeté la bague de la mer quand même. Ma chérie, rien que pour ça, tu verras comment les gens vont te mépriser. Tu verras comment les gens vont te mépriser. Tu verras. Un lover comme ma mère quand même, 53 cm. Le camé love. Le lover des réseaux sociaux. Le gars le plus discuté des réseaux sociaux. Maman. Les pleurs du mbolé partout. Les toits qui viennent les pleurs. Oh, oh mais quand même, reviens avec le 53 cm. Oh, de l'autre côté, de l'autre, je veux aussi pour moi. Oh. Et que toutes les blogueuses de la toile veulent me niasser. Toutes. Je ne connais pas une blogueuse qui ne veut pas dire qu'à mec, à mon temps. Toutes. Je t'ai donné la chance d'être mis à mec, à mec. Tu sors pour réunir ma bague, tu me dis que tu as jeté ma bague. Petite soeur, un homme comme moi, sans me vanter, c'est ce qu'on appelle le mal alpha. Regardez toutes mes relations. Les filles sortent de l'ombre pour éclore. Peut-être tu pensais que, comme j'étais beaucoup aimé, tu pensais que je suis un Boudman. Tu pensais que je suis un Boudman. Ma chérie, écoute bien ce que je vais te dire. En matière, tu es le king. Aujourd'hui, tu sors. Parce que je te vectorise. Tu sors pour influencer Kamé Kamé. Tu sors pour influencer Kamé Kamé. Maman, dans les réseaux sociaux du Cameroun, c'est ce qu'on appelle le kraken. Tu vois un peu. Quand je cherche dans les réseaux, je suis un bouffeur d'énergie. Je fatigue l'adversaire spirituellement. Physiquement, tant que je pénètre, je fatigue l'adversaire. C'est pour ça que tu me remercies aujourd'hui. Tu prends les conversations. Mais verser les conversations privées de moi-même, je vais dire pardon. Verser les conversations privées de moi-même, je vais dire maman. Ouais, merci pour les. Envoyez les étoiles, regarde-moi. Envoyez-moi les vraies étoiles. Vous envoyez quoi? Les 20 euros, 20 étoiles. De l'autre côté, sur TikTok, on tapote sur TikTok, on tapote. Oh, mais regardez, TikTok sont déjà là. Oh, mais regardez, TikTok, on tapote. Et si vous vous dépassez, sur Facebook, on est à 1100. Sur TikTok, on est encore 200. Non, les gars, donc, on soulève sur TikTok. Non, ça va vous servir de leçon. Ça va servir de leçon. Est-ce que c'est blogueuse de base? Merci pour les étoiles. Bombardez les étoiles. Il y a un chagrin d'amour. Il y a un chagrin d'amour. On a jeté ma bague. 5 tonnes de ciment. 10 camions de sable. 5 hectares de plantes. On a jeté. Pardon, ta flore. Je t'ai élevé, c'est que tous tes gars avec qui tu es sorti de toute ta vie, personne n'aura le charisme d'Amérique, mais je te mets au défi. Je te mets au défi. Et je me vante au roi. Aucun de tes gars avec qui tu as sorti aujourd'hui avant n'aura jamais le charisme d'Amérique. N'aura jamais l'élévation que je t'ai donné, le respect que je t'ai donné, la tendresse que je t'ai donné, l'amour que je t'ai donné. Aucun. Je ne discute pas ça. Je sais ce que j'ai fait pour que tu sois une femme heureuse. Je sais ce que j'ai fait pour que tu sois une femme vivante, éclatante. Je sais ce que j'ai fait. J'étais attentionné à tes côtés. J'étais attentionné. Oui. Ce qu'aucun de tes gars ne t'a accordé. Je t'ai donné l'attention, le respect, l'amour. Ce que personne ne t'a donné. On t'a vu. On a vu la véritable flore éclore. Grâce à qui, au puissant amen, amen. Maman, j'ai les clés de l'amour de tous les gars de TikTok. De Facebook, quand il met ma clé sur ton corps, il tourne comme ça, tu deviens heureuse. On wanda que quoi? Maman, on compte les gars qui sont passés par là. Regardez Docteur avant et pendant Amerikamé et après. Regardez Renker même, avant Amerikamé, pendant Amerikamé et après. Je suis ce qu'on appelle un créateur, je suis un faiseur de queen. Je suis ce qu'on appelle un faiseur de laine. Je vends l'amour, la joie, l'état d'esprit.
Parce que je te vectorise sur Oshiga. Tu sors pour dire que tu as... Mets ça dehors. Je ne mettrai jamais la vie privée de mes ex dehors. C'est-à-dire que c'est la particularité d'Amékamé. C'est un tombeau vivant. À cause de toi, Oshiga se moque de moi depuis qu'elle a entendu que j'étais au fait une barre. Que la barre, elle a jeté la barre. Depuis qu'Oshiga a entendu, elle balaye seulement le foie. Elle dit, peut-être que ça a tombé de ce côté. Regarde alors, regardez comment vous êtes alors. On te lève, on t'offre les barres, les fleurs. Je vais te poser une question. Flore, qui t'a déjà offert une rose, une bague? Qui t'a déjà aimé? Personne. J'ai enlevé, mais je te pose la question. Flore, qui t'a déjà aimé? Personne. Personne. Le seul gars qui t'a donné cet amour-là, où on t'a vu pour la première fois dans les réseaux sociaux, on a vu Flore amoureuse. C'est grâce à qui? Le King, le Camel Love, le Delta Love, la force de frappe. Même Natacha de Monaco est restée comme ça, elle dit, mais c'est, tu connais Aimé. Même Natacha de Monaco est restée comme ça, elle a dit que non. On voit l'amour dans les yeux de Flore. Aujourd'hui, tu sors. Hein? Et elle jetait la bague que tu m'as offert, maman. Moi, on m'a offert la bague. Et je ne regrette pas, si c'était à refaire, j'allais le refaire. Parce que je suis le genre de gars, quand il passe sur une femme, l'histoire retiendra que ce garçon t'a vraiment aimé. Je suis le genre de gars que les gars, regrettent toujours. Parce que là où j'ai mis Flore, aucune personne, et je dis. Merci, merci, merci. Donnez-moi le nom d'une seule personne, j'attends. Donnez. Quand vous aimez entendre que vous, Amékamé, donnez-moi le nom d'une personne. Avec qui Flore est sorti. Quand il est levé Flore, donnez-moi une seule personne. Merci, Kim. Donnez-moi le nom d'une personne. J'attends. Hein? Vous allez voir, il n'y a personne. Il n'y a personne. Vous parlez de quoi? Vous savez vivre? Vous savez vivre? Tu prends la bague. Tu prends la bague. Tu dis que oh, Amékamé, la bague qui était jetée, la bague qui était donnée là. La bague que... C'est-à-dire que tu oses dire aux gens que la bague que tu m'as donnée là, que t'as donnée, tu as jeté ma bague. 5 tonnes de ciment. 10 canons de sable Sanaga. 4 hectares de plantain. Tu prends, tu jettes. Et tu dis aux gens que tu as versé les voix. Tu me menaces. Tu me menaces. Mais la différence entre nous deux, Flore, c'est que je t'ai ouvert mon cœur. Je t'ai aimé comme un homme aime une femme. Je t'ai protégé comme un homme doit protéger une femme. Je t'ai donné de l'attention comme si tu étais mon enfant. De l'amour. Et on t'a vu, il a dit que, on est resté comme ça. On a vu une femme heureuse. Depuis que tu traînes dans les réseaux sociaux depuis 15 ans. Dis-moi qui t'a fait ça. Tu viens aujourd'hui parce que tu vectorises de calmer tes mouches. De même pour attaquer Oshiga. Tu dis que tu vas sortir les voices. Ngo, la bague. Ngo, ne me prononce plus. Là, tu as montré vraiment à quel point. Tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. Tu ne sais pas. Tu vois, quand tu étais avec moi, tu ne pouvais même pas imaginer que tu allais encore faire la chirurgie sur toi. Parce que le regard amoureux que je posais sur toi, mes yeux, quand je te regardais, mes yeux étaient la chirurgie esthétique. Et quand je te regardais comme ça, tu sentais que, mais pourquoi je me perds le temps pour faire la chirurgie? Regarde les yeux d'Amékamé sur moi. Les yeux d'Amékamé t'ont empêché de faire la chirurgie. Parce que c'était ton chirurgien. Que mes yeux, le regard, quand je te regardais, quand on m'a, Seigneur, voilà les conséquences. Maintenant, tu n'es plus avec moi. Tu allais faire la chirurgie. Parce que quand tu regardes autour de toi, on regarde seulement, on se juge à ton physique. La seule personne qui n'a rien à voir avec ton physique, c'est-à-dire que je t'ai pris avec ton fond intérieur. Je l'ai mis en fond extérieur. Je l'ai soulevé et je l'ai posé sur la toile camoufleur. Tout le monde a confirmé que non, qu'on ne mente pas. Le gars-là est arrivé, la fille-là. On va nous parler de quoi? Aujourd'hui, tu sors. J'ai mis... Attendez, je vais vous faire voir. Quand je pense à tout l'amour que nous avons vécu tous les... On voit des... C'est-à-dire que vous ne savez même pas ce que c'est que l'amour. Flore, tu n'as jamais été autant aimé par la toile quand il était avec toi. Il dit que tu n'as jamais été autant aimé par la toile quand j'avais les yeux d'amour sur toi. Je suis le seul gars à t'offrir une bague qui vaut 5 tonnes de ciment. 10 sacs de sable, 4 hectares de plantain. Il n'y a pas deux. Je suis le seul. Tu sors pour me faire les menaces.
Je ne manque pas. Ouais, attendez. Tapoter, tapoter. On veut 10K de tapotage. On ne peut pas être 300 sur TikTok. On n'a pas encore 10K de tapotage. On veut 10K de tapotage. Moi, je ne manque pas. Je dis la vérité. Tout le monde sait comment j'ai aimé cette fille. Vous-même. Vous-même. Regardez. Les preuves. Regardez vous-même. Regardez vous-même l'amour. C'est-à-dire que tu sentais vraiment que la petite était là. Elle était dans le yamo. Elle était dans le... Elle n'était pas le yamo, c'est quoi? Flore, regarde. Regarde cette vidéo bien. Regarde. Tu n'as jamais... On ne t'a jamais vu autant heureuse. Renseigne-toi. Pour ceux de TikTok. Tout le monde pour ceux de TikTok. On ne t'a jamais vu autant heureuse, Flore. Regarde comment tu es jolie. Regarde comment tu es heureuse. Regarde le regard. C'est la seule fois où tout le monde est resté comme ça. On a dit, maman, tu es dedans. Voilà. Je viens de ce côté pour ceux qui sont ici. C'est la seule fois. Regardez le visage. Regardez un peu le visage. On sent l'amour. Regardez comment les yeux... Wombo, les yeux disent non. Et c'est pour ça que tu viens piétiner. Maman. Avec tout l'amour, envoie-moi les cœurs, envoie les cadeaux sur TikTok. Ça, il y a un chagrin d'amour, il y a le cœur qui chauffe. Flore, est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'amour? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'amour? Quand tu as aimé un homme ou une femme, tu deviens prisonnier de son passé. Ça veut dire que quel que soit le problème que vous avez, tu as les clés du passé qu'il faut fermer. Tout le monde pouvait dire qu'on va te faire le chantage sur Flore. Mais je ne pouvais pas imaginer que toi, Flore, tu allais dire que je vais poster nos vidéos, les vidéos que tu m'envoies. Je ne savais que toi, tu pouvais dire ça. Je ne savais pas. Quelle est l'image de la femme love que j'ai présentée aux yeux du monde? Quelle est l'image? C'est-à-dire que le vaccin de l'amour que je t'ai donné, c'est passé où, ma soeur? C'est passé où? Je t'ai donné l'amour. Maman, je t'ai donné tellement d'amour que tout le monde t'a vu le bonheur. Même tes ennemis sont restés comme ça là. Ils ont dit que on n'aime pas Flore, mais le tout aussi. Regardez comment elle est amoureuse. Vous-même regardez. Eh, Amérique, mais tu as donné quoi l'enfance jusqu'à. Tu vois? Après le pourcentage que tu voulais. Entre nous. Entre nous. Et aujourd'hui, ça me fait mal de voir que toi, ma reine, que la Flore, tu t'élèves, ouais, bah, envoie beaucoup d'étoiles. Oh, envoie beaucoup d'étoiles, mon cœur saigne. Envoie beaucoup d'étoiles. Tu as fait une grosse erreur. Tu as fait une très grosse erreur. Parce que, Amère Kamé, renseigne-toi, et tu le sais, aucune de mes ex ne connaît l'histoire de l'autre. Aucune. Règle numéro une. Dans mes relations, ne me parle jamais de mon ex. La règle-là, elle est tort. Merci pour les... Maman, merci pour les 20. Maman, comment vous touchez pour le RS? Moi, je vais les 20 étoiles. Maman, quelqu'un peut pas s'énerver, m'envoie 1000 étoiles. Le cœur saigne, le cœur saigne. Le cœur saigne, envoie-moi-même, c'est pas moi. Énervez-vous-même. Tout finira, énervez-vous-même. Vous m'envoyez même 1000 étoiles, 2000 étoiles, 3000. Envoie même 10 000 étoiles, maintenant, c'est comment le cœur saigne. Les gars, vous, si tu préparez vos matchs, on va aller matcher tout à l'heure. Préparez vos matchs sur TikTok. On va aller faire les matchs tout à l'heure. On a déclenché le groupe d'étoiles. 4 minutes, 2 secondes. Envoyez, on demande. Je ne sais pas combien d'étoiles on demande dans le groupe d'étoiles. Les gars, mettez les étoiles. On demande combien d'étoiles. On demande combien d'étoiles. Attendez d'abord. On demande combien d'étoiles. On envoie. Voilà. Il reste 3 millions. Maman, je vois pas les étoiles. Débloquez le groupe d'étoiles. Quelqu'un peut m'envoyer 5K d'étoiles. Maman, c'est comment avez-vous? Et qui? Ouais, 700 étoiles. Bon, les gars, il faut 700 étoiles pour... Il faut 700 étoiles pour... Il reste 3 minutes pour 700 étoiles. Donc, quelqu'un s'énerve. Il met 700 là-bas, comme ça. Il reste déjà combien? Je ne sais pas comment on a fait ces matchs. Ouais, attends, je te bloque alors. Val, attends, je te bloque comme ça au moins. Au moins, je suis sûr d'une chose. Voilà, banni Val. Ok. Merci. Au revoir, Val.
Bon, il reste 2 minutes, il reste 2 minutes 30. Il nous faut 700 étoiles. De l'autre côté, sur TikTok, on tapote, mais si on a déjà 10 cas de tapotage, on continue à tapoter. On va reprendre les commentaires après le passage du groupe d'étoiles. On reste dans le groupe d'étoiles. On tapote, sur TikTok, on tapote. Donc, il nous faut 1 cas d'étoiles. Donc, quelqu'un peut mettre... Hey, Guigui, Guilengo, Guilengo, Chapio, Guilengo, Chapio, ma Chapio, Guigui, ouais, maman, ouais, Guigui, hey. Attends, est-ce que c'est la vraie Guilengo Chapio? Applaudis. T'as aimé le volume pour les applaudissements, non? Voilà, on applaudit à 500 étoiles. Il reste 200 étoiles, il reste 200 étoiles, il reste 200 étoiles. Bloquez-moi, Naomi Tamak. Naomi Tamak, ta maman, imbécile, idiote, sapac, salope, vieille gars. Tu as insulté Guilaine sur mon mur, le gros cul de ta main. Attends, il te bloque même d'abord directement, imbécile. Tu viens bloquer Guilaine sur mon mur. Tu sais ce que Guilaine a fait pour moi. Même les membres de ma famille n'ont pas fait ça. Idiote que tu sois. Comme un sorcier comme ça là. Tu as insulté Guilaine sur mon mur, imbécile. Parce que tu as le nom d'un bassa, idiote que tu sois. Tu as le courage d'insulter n'importe quoi. On continue. Non, il manque 5 secondes. Ok, le groupe de toi là est activé. Il manque 2 secondes. Les gars, attends. L'opportunité de créer un groupe d'étoiles est terminée. Merci, merci pour ceux qui ont envoyé les étoiles. Merci pour ceux qui ont envoyé les étoiles. Bon, on continue. À partir du moment où toi, Flo, tu critiques son travail, tu méprises son travail, je vais marcher sur toi comme train. C'est à cause de cette phrase que tu as dit que je vais aller déterrer tout ce qu'il y a eu entre moi et Amel Kamé. Maman, déterre. Déterre. Ça me fait quoi? Je t'ai aimé devant tout le monde. Maintenant, la toile, c'est quoi? Amel Kamé envoie une bague à... Merci, Natacha. Amel Kamé va envoyer une bague à... Tout le monde est au courant maintenant. Ça veut dire que tout le monde voit vraiment que Amel Kamé était à fond sur cette femme. Amel Kamé était à fond sur cette femme. Amel Kamé aimait cette femme. Et cette femme aimait Amel Kamé, mais ne voulait pas montrer aux gens que j'aime Amel Kamé. Flo, tu avais plus à gagner que moi dans cette relation. Là où je t'ai mis, c'est ton apogée dans les réseaux sociaux. J'ai fait de toi la reine des réseaux sociaux africains. Moi, j'étais engagé à 100% dans cette relation-là. Toi, ton pourcentage d'engagement, au moins, il ne connaît pas. Mais c'était sûr, je sais que tu m'aimais. Parce que tu m'as démontré que non, Amel Kamé, je t'aime. Ouais, le gosse, le gosse, le gosse. Applaudissez le gosse. De faire sa pub. Tu ne voulais pas. Tu ne voulais même pas entendre parler. Mais aujourd'hui, c'est toi qui parles d'Oshiga. Tu vois comment c'est passé? Ça veut dire que tu étais là. Oshiga était là. Mais avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, c'est toi qui parles d'Oshiga. Qui aurait pu imaginer que toi, Flo, tu allais m'avoir le temps d'aller parler d'Oshiga? Personne ne pouvait imaginer ça. Personne! C'est bizarre. Hein? Et tu viens dans TikTok lancer un semblant de cash sur Amel Kamé. Un gars que tu as aimé de tout ton cœur. Amel Kamé, tu sais que Flo a toujours dit que jamais... Qui t'a menti? Guilaine, Flo m'a aimé comme une malade. Vous parlez même de quoi? Vous parlez même de quoi? Flo m'a dit à moi le feu sort. Je t'ai dit, est-ce que je mens? Vous avez vu les yeux de Flo? Les yeux d'amour ne mentent pas. Mais je suis déçu aujourd'hui parce que la chance que j'ai donnée à Flo, c'est la même chance que j'ai donnée à Oshiga. Oshiga a saisi sa chance. Elle était bête à elle. Je meurs que sur ça.
Mais Flo faisait un genre, un genre. Mais elle ne savait pas qu'elle faisait un genre, un genre. Le un genre là, que Flo faisait là, maman. Oh, je l'envoie une bague. 5 tonnes de ciment. Qui a la valeur de 5 tonnes de ciment. Je l'envoie une bague qui a la valeur de 10 canons de sable Sanaga. Je l'envoie une bague qui a la valeur de 4 hectares de plantain. Elle dit qu'elle a porté ça 2 jours là, j'étais. Oh, bon, le fond de commerce, oh, ouais, amour. C'est incroyable. C'est-à-dire que, qu'une femme que tu as aimée sort dans les réseaux sociaux menacer votre vie. Allô? Hé, hey, la chapuie, la princesse Mahmoud, c'est comment? Amen. Oui. Je suis en bain. Au nom de Dieu, c'est pas mon pouvoir, ne s'arrête pas seulement au Cameroun. Arrête-moi ce que tu es en train de faire là. Non, maman, laisse. J'ai dit qu'en Beng, mon pouvoir s'étale jusqu'en Beng. Tu es arrivé quand? J'ai dit que, hein, merde, Amen Kamé. Oui. Tu veux t'amuser avec Flo? Ça, maman, c'est un bambin. Hey, ça, c'est un bambin. Hey, elle est en Beng, bref. Ça, c'est un bambin. J'ai dit que, hein, là où tu es là, si j'entends encore. Il faut que tu t'appelles, pardon. C'est sa maison aujourd'hui. Si j'entends encore, Amen Kamé, toi-même, tu connais. Tu sais que Flo t'a beaucoup respecté à travers moi et tout et tout. Flo est notre ami. Très sérieuse. C'est parce que je suis un peu malade. Tu comprends? Mm-hmm. Si j'entends encore Amen, je te jure, même en vain, je vais te faire rapatrier dans ton pays. Est-ce que tu comprends? Mm-hmm. Tu sais que je ne me suis jamais mêlé de ta nouvelle relation parce que je te respecte en tant qu'ami, tu comprends? Moi, c'est vrai depuis le début. Hein. Donc, avec que tu as contre ma relation? Non, je ne me suis jamais mêlé. Ah, okay. Mais je te dis, Amen Kamé, mm-hmm. Tu sais ce que c'est, tu connais l'importance de l'amitié, non? Tu connais mm-hmm. notre amitié, non? Je connais notre amitié, non? Tu n'as pas, tu n'as pas le droit qu'on insulte non, Flo. Non, attends, Guylaine, je suis très déçu, hein. Tu sais ça? Tu n'as pas le droit qu'on insulte Flo devant toi et tu ne dis rien. Non, personne ne l'a insulté bon. Jusqu'à présent. Tu me connais. Voilà. Non, je te dis seulement. Et ça, c'est la première des choses. Tu vois que j'ai le cœur meurtri. Mais le problème, c'est que les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas que ton cœur dort chez Flo. Tu n'as jamais. C'était avant. Non. Il y avait quoi avant? Continue à pleurer tranquillement. Moi, je sais que si Flo fait ses manques, tu vas pas. Je ne peux plus venir. Ah, moi, je ne peux plus liker et partager. Envoyez les étoiles. Je vais demander. Je vais demander ça marche. À tout à l'heure. Je suis. Écoute. Je suis à Courbevoie. Tu viens me voir là-bas. Oui, je suis à Courbevoie. Baston. Oui. Je suis à Courbevoie. Okay, pas de souci. On va même se voir ce soir. Comme tu vas se voir ce soir. Après le live, je prends Uber, je viens. D'accord. À tout à l'heure. Ok. On continue. Ma bague que j'ai offert à Flo. On me dit qu'elle a jeté la bague en bas du lit. 5 tonnes de ciment d'engouté. 5 tonnes de ciment. On a pris 5 tonnes de ciment, on l'a jeté. Massa. 5 tonnes de ciment. 10 camions de sable Sanaga. 10 camions de sable Sanaga. 4 hectares de plantain. On me demande de l'essayer. Ce n'est pas une question. Non. Nous sommes à une question de moralisation. C'est-à-dire que nous, on parle de moralité. Comment une relation personnelle privée atterrit dans les réseaux sociaux sous forme de menace? Tu dénigres mon cadeau? Tu dénigres ma bague? Hey. Est-ce que tu veux le nombre de sacrifices que j'ai souffert pour te donner la bague là? Silence est d'or. Pourquoi le silence est d'or? La jalousie que tu as envers Ushida, il fallait laisser ça. Mais quand ton cœur battait, je t'ai donné la chance d'être avec moi, tu as refusé devant tout le monde. Je t'ai donné la chance d'être avec moi, tu as refusé. J'ai accepté.
J'ai tourné mon dos. Aussi, il a dit que pardon, viens seulement dormir. Au moins, ainsi tu le vois. Donc, vous pensez que là où Amel Kamel coupe ton direct, vous êtes malade. Vous n'êtes pas sur la page de fraude de l'édition. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Vous trouvez normal que vous offrez une bague de fiançailles, on jette la bague au bout de deux jours, on vient vous raconter ça. Deux ans plus tard, Amel Kamel coupe le noyau. Elle te bloque même, dis donc. C'est même qui ça? Attends, reviens ici. Elle te bloque même. Sorcière. Vous savez ce que c'est? Le temps qu'on prend pour offrir un cadeau à quelqu'un, l'amour qu'on met dans le cadeau, la souffrance de l'argent qu'on pose dans le cadeau, là, vous savez ce que c'est? Mais c'est incroyable ça. Il faut vous calmer. Vous m'avez pour cotiser pour acheter le cadeau là. Attends. On dit c'est rien, non, j'étais comme ça, non, on jette comme ça là. Si vous n'avez pas de personnalité, si vous n'avez pas de charisme en vous, c'est votre problème. Moi, même, je ne blague pas sur le plus petit détail. Sur le plus petit détail, je ne blague pas. Vous parlez de quoi? C'est ce qu'on appelle le manque de respect. Vous parlez même de quoi? Il faut faire attention. Hein? Ouais, mec, Amel, tu aimes toujours Flo. Je n'aime plus Flo, j'aime aussi là. Ça vous fait mal où? Ça vous fait mal où? Son tour est passé. Et son tour est passé. Tous les gars qui ont passé là, selon l'ombre d'Amel Kamel. Son tour est passé. Oshiga a pris le trône. Ça vous fait mal où? Ça vous fait mal où? Son tour est passé. On parle de quoi? Je prends ça, je parle là-dedans. Elle dit qu'il y a ce qu'on appelle le respect. Il y a ce qu'on appelle le respect. Tu offres une bague à une fille. Quand vous pouvez même renvoyer ça, je revendais ma bague tranquillement. Elle me renvoie même ça, je revendais même ça. Ou bien je sais pas, je revendais ça, mais je donnais ça à quelqu'un d'autre. C'est incroyable. Non. C'est parce qu'elle était très touchée. Elle était touchée où? Elle était très touchée. Je n'ai pas. Non, je suis sur mon problème de bague qu'on a jeté. Sur le manque de respect de l'amour que j'avais pour elle, un manque de respect sur cet amour-là. En vertu de quoi? En vertu de quoi? Faut pas blaguer. Il faut même pas qu'on blague avec ça. Quand vous respectez, vous les femmes, apprenant à vous respecter, après vous allez dire que oh, les hommes sont là, les hommes, voilà. Et il n'a pas payé la bague là au tchat. Et pardon, je vais te bloquer. Attends, il te bloque même d'abord. Mouf. Moi, il paye la bague là au tchat. Tu es fou. Comme un sorcier comme ça. Qui a payé la bague là au tchat? Moi, je peux payer la bague là au tchat. Comme un sorcier comme ça. Comment vous êtes même ici là? Depuis quand on paye sur l'histoire d'avoir le tchat? Petit sorcier. On prend 5 tonnes de ciment. 5 tonnes de ciment dans route. On jette en bas. Et on trouve que non, tu ne dois pas t'énerver. Pourquoi il ne va pas m'énerver? Pourquoi les gens vont m'énerver? Vous prenez les gens pour les qui? Vous prenez les gens pour les qui? Ça m'énerve même plus que tout. Une bague que j'ai pris le temps de choisir. Avec mon roi, amen. Faites attention, hein. Oh, non, de pas pour moi. Ok, l'amour que j'ai aujourd'hui, c'est pour Chica. Elle se bat. Je suis un roi. Vous pensez que je vais laisser l'amour là, d'aller prendre l'amour de Flore, où l'amour c'est seulement la nuit, en plein jour c'est les autres, où moi je suis caché. C'est-à-dire que je vais laisser où je suis caché, derrière. Je laisse, on me met en haut. Maman, vous trouvez ça normal? Le créateur c'est moi. Le maestro c'est moi. Le king c'est moi. Voyez la différence. Aujourd'hui, qui attaque qui? Ce n'est pas les mouches de Flore qui attaquent Oshiga. Qui pouvait imaginer ça un jour? Quand Oshiga parlait de Flore, c'était
Non, non, c'était même pas une. Mais aujourd'hui, ça a tellement changé que c'est maintenant Flore qui parle de Chica pour avoir les vues. Pensez que quoi? Je vous ai dit sur la toile camerounaise, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'infini. Sur la toile camerounaise, je suis le créateur des rêves. Maintenant, c'est la scarabée. C'est-à-dire que l'époque des abeilles, c'est fini. À l'heure, c'est la scarabée qui règne sur la toile camerounaise. Je vous invite à vous abonner massivement sur la page des scarabées. C'est là-bas où ça se passe. On donne le ton et les autres suivent. On donne le ton et les autres suivent. C'est ça qu'on appelle la puissance. C'est-à-dire que tapez seulement la reine des scarabées. Quand vous voyez la photo, vous vous abonnez automatiquement. Maman, c'est la pique qui contrôle maintenant. C'est-à-dire aussi que maintenant, c'est l'AS. Oui. C'est-à-dire que c'est Mali, Burkina, Niger. À l'heure, c'est l'AS. C'est-à-dire que on se mélange déjà pour combattre. C'est à l'heure que tous les scarabées, je vous dis, c'est à l'heure que tous les scarabées doivent devenir violents dans les réseaux sociaux. Et que quand on entend seulement qu'on a 14, vous tombez sur la personne, vous déchiquetez la personne, seulement que vous mangez la personne. À l'heure que les abeilles sont bolées, c'est la scarabée qui a pris le contrôle. Oui, la TK, ça a une observation. Les autres n'existent plus. C'est comme ça maintenant. Donc, abonnez-vous massivement. Massivement. À l'heure, si ça ne chauffe pas. Et les scarabées n'ont pas peur. Vous avez vu, non? Vous avez vu votre tête, non? On a à côté de la mer, quand même. On a le pouvoir absolu. Toutes les gars qui marchent à côté de la mer, quand même, n'ont peur de rien. Parce que le gars, là-bas, c'est un crack et la menace fantôme. Vous voyez un peu le genre. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Celui qui s'affronte à mer, quand même, qui s'en. Allez demander à Maud, il est aujourd'hui. On cherche à Maud aujourd'hui sur la toile, on ne le voit pas. Allez demander à mes sangs, son ventre est arrivé. Non, quand mer arrive, c'est la puissance. C'est la puissance. L'élévation. Maintenant, vous êtes là. Vous êtes condamné à faire le chocolat, les imbos. J'ai dit c'est ça aujourd'hui. Je trouve un lieutenant des abeilles. On m'envoie seulement une coupure où un lieutenant des abeilles parle mal de Chica. Votre reine va prendre cher. Et je ne blague pas. Ni Norniki. Mourani Mbé. Le respect sur les réseaux sociaux maintenant, c'est une obligation. Je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas. On ne se parle pas. C'est nul. Je vous dis encore, je croise le commentaire d'une abeille dans le lit d'Oshiga. On va se gâter tous. Écoutez bien. Je croise le commentaire d'une abeille dans le lit d'Oshiga. Commentant au nom de Flore. Elle est confirmée sur la toile. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Je ne suis pas Satan. Là où on apprend la méchanceté, Satan là-bas, il en stage. L'enfer, on a créé ça. C'est-à-dire qu'on a créé ça avec mon ADN. On a créé ça avec mon ADN. Dit automatiquement. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à tous les tapoteurs. C'est de ça qu'il s'agit. Le respect sera obligatoire. On ne vient pas dans vos litiges. Ne venez pas dans les litiges des autres. On ne vient pas dans vos lives, ne venez pas dans nos lives. On ne gère pas votre rêve, ne venez pas dans nos affaires. Ne venez pas dans nos affaires. Il faut que ça soit clair. Et comme ça, le respect va s'imposer. Le respect va s'imposer. Je pense que j'ai été très clair avec vous. Les histoires de femmes, je n'entre pas dedans. Mais tu t'attaques au travail d'Oshiga. Vous me trouvez en face. Et on va se faire du sale. Je suis ce qu'on appelle un bouffeur d'énergie. Et mangez vos énergies les uns après les autres. J'ai le temps pour ça. Je suis le gardien du temps. Patrice, ça vous a dit ça. Vous pensez que c'est les blagues. Ce n'est pas les blagues. Ce n'est pas les blagues. Donc les abeilles qui sont sur mon mur là, dégagez. Je dis dégagez. Je n'ai pas besoin
de vous. Il faut que vous mettez ça dans votre tête. Je dois préparer ma candidature à la présidence du Cameroun. Je dois préparer. Actuellement, nous sommes sur. Voilà, actuellement, nous sommes sur TikTok. La page est la Amer Kamer 237. Voilà. Donc, vous vous déconnectez sur Facebook et après, on continue. Merci la famille. Abonnez-vous massivement. À l'heure, c'est la scarabée qui contrôle la toile. C'est très simple comme bonjour. À plus la famille.